I'm missing someone? Because we can do it in French. Just maybe Maria Brovikova, you want in English? And some Mais si more je people. Parle français aussi. Ah, bon, bah, si tout le monde parle français. Is there anyone not speaking French? No? Well, my slide are still in English anyway. It was scheduled this way. Mais on va faire... traduire toutes mes phrases. Je dois traduire toutes mes blagues en français, c'est ça? C'est ça, on va faire tout retraduire en anglais. Non, non. On va peut-être laisser le temps à certaines personnes d'arriver encore. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui arrivent. Bah du coup, on parle en français. Tout le monde a l'air de pouvoir parler ou comprendre le français. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire au fur et à mesure. Ou si vous ne comprenez pas bien le français, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions en direct aussi. Moi, j'ai deux écrans, donc j'arrive à multitasker, à être multitâche. Du coup, avant de commencer, on va peut-être commencer par se présenter. Du coup, moi, je m'appelle Nicolas Vigneron. Je suis Wikimédien depuis quasiment le début. Ça fait plus de 17 ans que je contribue à Wikipédia, à Wikisource aussi depuis très longtemps. Je n'ai même plus la date exacte. J'ai un background de bibliothécaire. Alors, du coup, j'ai tous les textes qui me viennent en anglais. J'ai répété en anglais, désolé. Donc, j'ai un background de bibliothécaire. Ce qui fait que je suis d'autant plus intéressé par Wikisource. Je fais aussi régulièrement des présentations autour de Wikisource, Wikidata aussi beaucoup, qui sont deux projets qui peuvent fonctionner ensemble. Mais on va parler de Wikisource aujourd'hui. Moi, je vous ferai la première présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas totalement Wikisource. Et ensuite, Antoine conduira le workshop. Je te laisse te présenter rapidement, Antoine. Donc, petite présentation, donc Antoine, association sur les projets, contributeur depuis 5 ans maintenant sur les projets, et ouais, Wikipédia, Wikisource, Wiktionnaire, avec un intérêt ouais, pour plein de langues différentes, mais aussi ma langue maternelle, le Tichou, dans le sud de la Chine. Parfait. Oui, j'ai pas oublié de préciser dans le cadre linguistique, mais je parle aussi breton, ma langue, alors pas maternelle, malheureusement. Ça a sauté des générations, mais la langue de Bretagne où j'habite. Donc du coup, Wikisource, la plus grande bibliothèque en ligne, ça dépend comment on compte, mais en tout cas, une des plus grandes, ça c'est sûr. Pour revenir un peu sur l'origine, d'où vient Wikisource, pour information, on fête donc, cette année les 20 ans de Wikipédia, puisque Wikipédia a été créé en 2001. Et très rapidement après a été créé Wikisource en 2003. C'est un des premiers projets hors Wikipédia qui a été créé d'ailleurs. Et l'objectif initial était de faire de la transcription de sources primaires. Parce qu'en fait, au début de Wikipédia, certains avaient commencé, notamment pour les textes de Shakespeare, ou Roméo et Juliette, ce genre de choses, à tout mettre dans Wikipédia, ce qui faisait des articles Wikipédia qui étaient très longs et qui ne correspondaient plus à l'objectif encyclopédique de Wikipédia, de synthèse de la connaissance et de synthèse inédite. Alors que Wikisource, au contraire, s'attache à retranscrire le plus strictement possible des textes existants. C'est bien l'idée d'une bibliothèque, hein. On conserve des textes qui ont été écrits par d'autres, on ne réinvente pas les textes. Éventuellement, on peut moderniser l'orthographe, on peut retraduire certains termes, mais on est quand même plutôt sur globalement de la transcription. Donc, de là vient l'idée de créer Wikisource. Pour la petite blague, l'anecdote, si Wikisource a pour logo un iceberg, c'est parce qu'on s'est inspiré du projet Gutenberg, donc Gutenberg Iceberg. Le jeu de mots était facile et ça fait presque 20 ans qu'il est là. Ensuite, quelques chiffres clés, notamment dans le cadre d'une conférence linguistique, c'est toujours intéressant de revenir sur ce que contient Wikisource.
Wikisource actuellement couvre plus de, enfin, couvre 70 langues, peut-être bientôt 71, mais 70 encore au jour d'aujourd'hui, qui ont leur propre projet, c'est-à-dire qui ont une adresse fr.wikisource.org, en.wikisource.org pour le français, l'anglais, br.wikisource.org pour le breton, par exemple, etc. etc. On a 70. Et après, on a des projets qui n'ont pas encore leur propre langue, et qu'on appelle donc des projets en incubation, qui sont donc sur un projet séparé. Là, on a actuellement plus de 136 langues qui sont en incubation, pour certaines qui resteront sans doute très longtemps encore en incubation. Le Wikisource en hiéroglyphe, par exemple, n'est pas prêt de sortir de l'incubation, malheureusement. Par contre, d'autres sont déjà avancés, voire très avancés, notamment la Wikisource en balinais, dont je reparlerai plus tard, va très certainement avoir rapidement son projet, et on aura 71 langues du coup sur Wikisource. Toutes ces langues contiennent collectivement presque 5 millions de textes. Alors, j'ai bien mis texte et pas livre, c'est bien sexe au sens global de documents. Et donc, du coup, comme je dis, qui ont des longueurs très variables, parce que ça peut être autant des textes très très courts, des poèmes typiquement sont souvent très courts, ou la lettre que Victor Hugo a écrite qui contient un seul et unique caractère, point d'interrogation, on l'a sur Wikisource. C'est techniquement notre texte le plus court. Et inversement, un texte, ça peut être une œuvre entière. Donc, vous imaginez bien une saga très très longue qui fait des centaines, des milliers de pages. Ça peut aussi compter comme un texte. Mais ça donne quand même une impression de l'ordre de grandeur. 5 millions de textes presque, ça fait plus que Internet Archive, par exemple. Internet Archive est quelque part entre 3 et 4 millions de textes. On en a plus, du coup, sur Wikisource, sur les Wikisource, toutes langues collectivement ensemble. Et pour finir, du coup, tous ces textes, ils sortent pas de nulle part, forcément. Ils sont retranscrits en partie par des processus automatiques dont parlera Antoine, mais en grande partie, ils sont faits, notamment pour atteindre un bon niveau de qualité de transcription, ils sont faits par des êtres humains, des éditeurs et éditrices. Et donc, on en compte à peu près 2600, pareil, pour toutes les langues. Et on compte comme récemment actifs, en fait, ceux qui ont fait au moins une modification dans le mois précédent, dans les 30 jours précédents. Ce qui fait une communauté assez importante, mine de rien, et assez active. Donc, qu'est-ce que Wikisource ? Donc, je l'ai dit, une bibliothèque en ligne numérique. Ça, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, finalement. J'ai parlé d'Internet Archive à l'instant. Il y a aussi Gallica, par exemple, pour la BNF, Google Books, évidemment, que tout le monde connaît. Les bibliothèques en ligne, maintenant, il y en a des milliers. Chaque bibliothèque nationale en a une. Chaque bibliothèque municipale commence à en avoir une maintenant, dès qu'ils ont un fonds un peu intéressant et propre. Ce qui distingue vraiment Wikisource d'une autre bibliothèque numérique, c'est vraiment ce que j'ai appelé l'esprit Wikipédia, la dynamique collective, collaborative, où on est peut-être plusieurs à intervenir et à corriger ces textes et à obtenir du coup le meilleur niveau de qualité possible de retranscription. C'est sans doute arrivé à beaucoup d'entre vous d'aller par exemple sur Google Books, de chercher en plein texte un mot et de ne pas le trouver ou de pas trouver comme vous voulez ou de trouver des fautes d'orthographe parce que Google Book est entièrement automatisé, il n'y a pas d'humain qui vérifie la qualité. Et donc du coup, typiquement, si vous êtes sur un texte du Moyen-Âge avec des S longs, ils sont retranscrits par un F et ça ne veut plus rien dire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui distingue sur Wikisource. On va plus loin en qualité. Voilà. Et du coup, très concrètement, ça passe aussi par ce qu'on appelle du microtasking, c'est-à-dire que plutôt que une personne passerait sa vie entière à retranscrire le dictionnaire de Trévoux, qui fait des milliers de tomes, de milliers de pages, ou des textes, n'importe quel texte très long, on est plutôt sur chacun peut faire une page. Et page par page, petit à petit, c'est aussi un peu l'esprit Wikifourmi, collectivement, chacun fait un peu, et il n'y a pas de petits gestes quand on est des millions à les faire, comme dirait un certain slogan en France, mais c'est aussi le slogan Wikipédia, finalement, quelque part. Et plus techniquement, ça passe en fait par ce qu'on appelle l'extension Proofread Page, que l'on verra pendant l'atelier aussi,
qui permet de mettre en vis-à-vis le texte sous forme d'image, le scan, le facsimilé qu'on a récupéré, face à une zone de texte où on peut taper et retranscrire pour obtenir le même texte des deux côtés. Voilà sur ce qu'est Wikisource. Je pense avoir dit l'essentiel. Et un autre point très important, c'est la licence de Wikisource, le placement au niveau du droit d'auteur. Tous les contenus présents sur Wikisource sont librement réutilisables dans le cadre de la licence et du domaine public. Mais du coup, la seule condition vraiment nécessaire, c'est de citer la provenance et la source. Mais après, vous pouvez le réutiliser, le modifier, le commercialiser, même si vous le voulez. Techniquement, c'est aussi possible. On retrouve d'ailleurs certains livres de Wikisource sur Amazon en vente parfois, ce qui peut faire un peu grincer des dents, malheureusement, mais ce qui est l'objectif du projet. On ne met aucune limite, aucun obstacle au partage de la connaissance. D'autant plus que si techniquement le site est sous licence CC BY-SA, Creative Commons Paternité Partagée Identique, en fait, les documents eux-mêmes sont dans le domaine public dans la très grande majorité des cas. Et il n'est pas forcément clair d'un point de vue juridique si la retranscription ouvre vraiment des droits d'auteur spécifiques ou si la licence domaine public persiste. Mais ceci dit, à la limite, peu importe, dans les deux cas, l'idée, c'est bien de pouvoir repartager ces textes. Le contrepoint et le revers de la médaille de cette envie de partage, c'est qu'on ne peut pas du coup ajouter n'importe quel texte sur Wikisource, notamment tous les textes récents qui sont encore soumis à copyright, ne peuvent pas être téléchargés et donc ne peuvent pas non plus être retranscrits sur Wikisource. Ce qui peut, pour des langues minoritaires dont l'écriture a été modernisée récemment, voire très récemment parfois, ça veut dire qu'on est un peu coincé. Moi, je contribue sur la Wikisource en breton et il se trouve que donc, en plus, pas récent d'un point de vue du droit d'auteur, ça veut dire dont l'auteur est mort depuis plus de 70 ans. Donc ça veut dire potentiellement des livres qui ont 150 ans même parfois. Et il se trouve qu'en breton, la normalisation de l'orthographe s'est faite plus ou moins il y a 70 ans, 80 ans maintenant. Donc du coup, en breton, on n'a que des textes avec une orthographe qui n'est pas forcément exactement l'orthographe actuelle. Joie et bonheur de la paléographie ou en tout cas de l'édition de textes historiques. Donc c'est un obstacle qu'on nous reproche assez souvent, mais qui est finalement construit dans l'ADN de Wikisource et qui, a priori, ne risque pas de changer dans un avenir ni proche ni moyen terme, je pense. Voilà. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas importer sur Wikisource des textes que vous avez créés vous-même. On est bien sur de la retranscription, de l'édition de textes existants déjà publiés par ailleurs. Voilà, et puis du coup, pour conclure un peu cette première partie de présentation, j'ai envie de vous parler de certains projets cool qui sont en train d'être faits sur Wikisource. J'en ai sélectionné quelques-uns parmi d'autres, il y en a beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure de la Wikisource en balinais, qui fait un super projet de A à Z. Ils vont de la découverte des manuscrits jusqu'à leur catalogage, numérisation et la retranscription sur Wikisource. Donc c'est un projet qui est plus large que Wikisource, qui commence en amont de Wikisource. Ils vont vraiment dans des bibliothèques un peu perdues récupérer, voire presque sauver parfois, ces fameux manuscrits sous feuille de palmier, manuscrits sur hall, on dit en français parfois, qui sont anciens, qui ont une valeur une très forte valeur, une très riche histoire, parce que souvent ils sont écrits avec, pareil, avec un texte ancien, une écriture ancienne. Ils ont dû d'ailleurs développer une police d'écriture spécifique pour ce projet. Donc c'est vraiment un projet qui est très très intéressant. Et c'est un projet qui en plus existait avant, par ailleurs, en dehors de Wikisource, et qui a eu du mal à trouver une plateforme où faire cette retranscription en fait. À Bali, malheureusement, il n'y a pas forcément toutes les infrastructures que nous, on a le privilège d'avoir en Europe, ou en tout cas en Occident. Et donc, un peu par hasard, grâce au projet Panlex, d'ailleurs, que je remercie au passage, ils ont fait la connexion avec Wikisource. Et donc maintenant, du coup, ils ont retranscrit plus d'une centaine de manuscrits sur Wikisource. Ils ont une communauté de plus de 20 personnes actives.
Pour situer, ça fait quelque chose comme la 10e Wikisource la plus active sur les 70 quand ils seront quand ils auront leur propre projet, mais vu qu'ils sont super actifs, ils risquent d'être la prochaine Wikisource à être officiellement validée. Voilà, un super projet dont on devrait réentendre parler très bientôt d'ailleurs. Et un autre projet francophone, franco-français aussi d'ailleurs, pour le moment, qui est Georges le deuxième texte, dont certains d'entre vous ont sans doute déjà parlé, dont là l'idée est plus militantisme féminisme, contrairement au militantisme linguistique du projet précédent, mais pour moi militantisme n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Et donc là l'idée c'est de mettre en valeur des textes qui ont été écrits par des femmes, notamment une des idées c'est d'arrêter de toujours lire Molière ou Musset ou des vieux auteurs classiques dans les collèges, auteurs tout à fait respectables par ailleurs, mais qui sont souvent à 100% masculins dans les programmes scolaires, alors qu'à la même époque, existaient des autrices qui étaient avec des qualités littéraires tout aussi respectables, si ce n'est plus, notamment, évidemment, on pense à George Sand par rapport à Musset, d'où le nom du projet Georges le deuxième texte. Ce projet, je trouve, est très intéressant dans son idée, et en plus fait très régulièrement des ateliers en ligne, vu la situation sanitaire actuelle, mais une vraie dynamique derrière, ils ont contribué. Alors, je n'ai pas trouvé de statistiques de combien de textes exactement ont été retranscrits grâce à Georges le deuxième texte, mais beaucoup de textes, parce qu'il y a un atelier presque mensuel, où ils font 2-3 livres à chaque fois, et ils font ça depuis plus de 2 ans maintenant, il me semble. Ça doit faire une centaine de textes, minimum. Ça, c'est deux exemples de projets qui viennent, qui sont faits par et pour la communauté. Il n'y a pas eu particulièrement de partenariat, mais on a eu aussi quelques projets qui ont été faits en lien, notamment avec des bibliothèques et des archives, des institutions culturelles existantes. L'exemple incontournable en France, c'est l'exemple de la Bibliothèque nationale de France, qui en 2008 a fourni 1400 ouvrages à Wikisource pour être transcrit, qui a été un des premiers partenariats culturels qui a aussi symboliquement reconnu la valeur de Wikisource et de la collaboration pour la retranscription, puisque un des objectifs derrière aussi était de voir justement la Bibliothèque nationale fait beaucoup de retranscriptions automatiques et donc voulait un peu tester genre sur les mêmes textes comment s'en sert la communauté Wikisource. Les résultats sont variables, pour rester dans l'euphémisme, vu la quantité de textes et la quantité limitée de temps et le nombre de contributeurs, en termes de vitesse, clairement, on est moins bon que des processus automatiques ou l'armée d'employés à la BNF. Ceci dit, au niveau qualitatif, ils ont été surpris et très agréablement surpris de voir que, dans un temps relativement raisonnable quand même, on a pu obtenir une très bonne qualité de texte et on a même fait certaines innovations de retranscription où ils n'avaient pas forcément pensé. Et comme le dit Hélène Sarrazin dans le chat, effectivement, la qualité de certains scans a joué aussi dans l'appétence à retranscrire ces textes. Il y a eu d'autres partenariats qui ont été faits ou qui sont en cours, notamment avec des archives départementales, des Hautes-Alpes ou de Vaucluse, où c'était plutôt des archives paléographiques. Ça a été du coup plus sur des corpus très limités, d'une dizaine ou d'une vingtaine de textes, manuscrits, écritures 17e siècle, pas forcément toujours lisibles. Un impact plutôt limité côté Wikisource, entre guillemets. Par contre, pour les archives qui faisaient déjà des ateliers de paléographie par ailleurs, et en fait qui faisaient la retranscription avec des élèves ou des personnes qui voulaient apprendre la paléographie, et puis une fois l'atelier fini, finalement la retranscription servait à rien et à personne, ou à pas grand monde en tout cas, juste aux personnes qui avaient appris, ils trouvent ça très intéressant de le faire sur la plateforme en ligne et de pouvoir du coup le partager avec le monde. C'est beaucoup plus valorisant aussi pour les participants à ces ateliers. Des partenariats, il y en a eu des centaines d'autres dans les pays d'Inde, ils ont plusieurs qui sont en cours de montage ou qui ont été faits, dont je ne peux pas tout parler, là le temps est un peu limité. Dans le chat, on me signalise que la BNQ, Bibliothèque Archives Nationales de Québec, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, effectivement.
Notamment à la BNQ, il y a quelque chose de très intéressant qui a été fait sur quelques ouvrages qui n'avaient jamais été publiés en ouvrage unique, en fait. C'était des feuilletons qui étaient une fois par semaine ou une fois par jour dans des journaux. Et donc, en fait, ils ont recollé les bouts de journaux séparés pour en faire un livre. Et donc, du coup, en 2018 ou 2019, si je me souviens bien, a été imprimé pour la première fois le livre « Les pirates de la baie du Saint-Laurent », quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du titre exact. Et c'était du coup grâce à Wikisource qu'il a été la première fois édité en texte intégral, en fait. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres projets qui sont pour certains documentés d'ailleurs sur Wikisource eux-mêmes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à voir. En plus, chaque pays a fait le sien. En Italie, ils ont fait d'autres choses. Aux États-Unis, les archives nationales aussi ont fait des choses. Il y a plein de choses. Donc voilà, ça c'était pour une présentation générale de Wikisource. Je m'attendais à un public qui ne connaissait pas du tout Wikisource. Je vois que plusieurs connaissent. Si certains ou certaines ont des questions avant qu'on passe à la partie plus atelier, n'hésitez pas. En plus, on n'est que 12 personnes. On peut en profiter, vous pouvez ouvrir le micro et demander en direct. Avant de partir sur l'atelier. Pas de questions. Alors, je vois qu'il y a eu des remarques dans le chat, sinon, pendant ce temps-là. On me signale qu'il faudrait que l'Occitan sorte d'incubation. Malheureusement, l'Occitan n'est pas du tout actif dans le projet d'incubation sur Wikisource. Donc, malheureusement, il ne risque pas de sortir d'incubation, pas à moyen terme en tout cas, malheureusement, pas à court terme, peut-être moyen terme. Ça me permet de dire qu'il y a des critères en fait pour sortir d'incubation. Il faut au moins une communauté minimum active qui est alors plus ou moins. Le critère est plus ou moins dur, mais on compte au moins 3 personnes actives pendant 3 mois, je crois. Et il y a pas, je suis même pas sûr qu'il y ait eu une personne dans l'année en Occitan pour situer. Donc voilà, malheureusement, pas l'Occitan pour tout de suite. Voilà. Plus être contributeur, plus le contenu est de qualité, ça je suis complètement d'accord. Un système de modernisation du breton sur Wikisource, ce serait bien aussi. La communauté en breton sur Wikisource est justement pile au seuil de 3 personnes. Je ne suis pas sûr qu'on ait la capacité et le temps de moderniser en plus la dizaine de graphies existantes anciennes. À voir, je retiens l'idée pour plus tard. Et du coup, on a passé la première demi-heure, donc s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à l'atelier, je pense. Moi, j'ai une question, si c'est possible. Ah, bah voilà. Voilà, c'est le moment, vas-y. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de... Parce que je pense que pour beaucoup de petites langues qui ont des communautés de taille assez restreinte, ça va être très difficile, de même sur l'incubateur, de lancer des gens. Et qu'est-ce que tu penses de l'hébergement sur des langues qu'on peut dire des langues toi, de ces textes-là? Parce que sur le Wikisource en français, par exemple, j'ai trouvé des textes en autres langues régionales, en fait, dont de l'occitan, oui. qui a son propre incubateur, par exemple. Oui, alors, très bonne question, merci de l'avoir posée. Je n'ai pas de réponse définitive parce qu'il y a des dynamiques qui s'opposent un peu. Effectivement, ce n'est pas facile d'avoir une communauté suffisante pour créer une Wikisource indépendante. Et du coup, pour certaines langues, bah, ça veut dire qu'en fait, ils vont s'épuiser à essayer d'être indépendants. Mais inversement, il y a une forte dimension symbolique, voire parfois limite nationaliste, qui fait que les gens veulent leur projet indépendant. Et on a vu que certaines Wikisources se sont un peu cassées la gueule, pour être honnête. Le Napolitain, par exemple, est un peu en état zombie depuis qu'il est indépendant. Il y a une Wikisource en Napolitain, parce qu'il tenait fortement à l'avoir. Le breton s'en sort plutôt bien. D'autres, les langues indiennes, elles, par contre, explosent littéralement. Le Punjabi, je crois que maintenant, dans le top 10 des Wikisources les plus actives, on doit avoir 5 langues indiennes. Et pour elle là, c'est... alors qu'ils n'ont pas forcément des communautés extraordinaires, hein. Parfois c'est 5-6 personnes en fait. Il y a aussi une certaine facilité à avoir une Wikisource à peu de personnes, parce qu'en fait une fois qu'un texte est retranscrit, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Alors que sur le Wiktionnaire est un peu comme ça aussi, mais par contre sur Wikipédia, on écrit un article sur Jeanne d'Arc et il suffit qu'on retrouve des preuves archéologiques, et même pour une personne morte il y a plusieurs siècles, on a besoin de revenir et de refaire l'article. Alors que sur Wikisource, normalement quand c'est terminé, c'est terminé. Et on peut passer à un texte suivant, donc c'est relativement plus facile. D'ailleurs, le comité des langues qui
qui valide, qui approuve la création de nouveaux projets et à des critères un peu plus souples pour le Wikisource, notamment à cause de cette dynamique. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que ça dépend. Ça dépend du nombre. Si c'est moins de 3, effectivement, il vaut mieux rester en tant que langue toi. Si c'est 4-5, ça vaut peut-être le coup de tenter d'être sa propre Wikisource. Ça dépend aussi de la distance entre une langue. Typiquement, moi, l'occitan, je l'avais viré de la Wikisource en français pour le mettre dans l'incubation. Parce qu'en plus, il y en avait en partie sur le français, en partie sur l'italien et en partie sur l'espagnol. Parce que c'est un peu proche des 3, ou pas d'ailleurs. Je trouve que justement, entre français et occitan, il y a quand même une certaine distance qui justifie d'avoir voilà. Complètement, oui. Que n'a peut-être pas, par exemple, le gallo. Moi, j'aimerais bien avoir une Wikisource en gallo un jour. Mais là, c'est une langue où il n'y a vraiment pas grand monde. Même trouver des cours de gallo, c'est compliqué. Et là, c'est une langue qui est quand même plus proche du français, honnêtement, beaucoup plus intercompréhensible. Ouais. Donc ça, c'est un projet beaucoup plus lointain. L'occitan a finalement plus de chance là-dessus. Voilà. Peut-être une autre question avant de passer à l'atelier. Puis sinon, pendant l'atelier, on a une heure d'atelier. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Je pense qu'Antoine pourra les prendre avec plaisir. Bah, Antoine, je te laisse la main du coup. Très bien. Donc, on va passer à la partie atelier de cette session. On va commencer par une première présentation des concepts génériques pour un peu comprendre le fonctionnement de Wikisource en lui-même, les différentes étapes pour arriver à un texte terminé. Et ensuite, on va passer à une phase de démonstration où je vais faire une démonstration. Ensuite, vous-même, vous pourrez aller explorer sur la plateforme différentes ressources. Et notamment, on va travailler sur un document sur le breton, comme par hasard. Et on finira dans les 5 dernières minutes, 10 dernières minutes, sur un petit retour sur ce que vous pouvez faire après cet atelier pour mener votre propre atelier. Donc, je commence par la partie présentation des concepts. Donc, tout simplement, la première question qu'on peut se poser, c'est comment accéder à Wikisource. Et comme Nicolas en a parlé juste avant, il y a effectivement déjà un site central où il y a en fait toutes les langues qui sont affichées. Donc, c'est le wikisource.org, qui est un peu le portail pour toutes les langues. Et certaines de ces langues, en fait, ont un site à part. Très bien. On va aller voir ça ensemble. Donc là, on est sur wikisource.org, donc le site multilingue. Là, l'affichage est en anglais, mais on peut très bien choisir de l'avoir dans n'importe quelle autre langue dont l'interface a été traduite. Donc on peut voir, oui, il y a vraiment de tout, dont occitan, dont Picard. Et ensuite, on a les différents liens vers un certain nombre de projets. Donc là, ils sont classés par nombre de... j'imagine, ou nombre d'œuvres peut-être qui sont importées dans chacune de ces Wikisources. Et du coup, les plus grosses, évidemment, elles ont un site à part, tandis que les plus petites, elles sont hébergées justement dans ce wikisource.org multilingue. Donc, on va prendre par exemple le cas du Banlamge, qui est une langue donc, de Chine du Sud et de Taïwan, qui lui dispose donc de son site à part avec son interface en Minnan. Et on a des documents qui doivent être rangés quelque part. Et on va prendre par exemple le cas du balinais, qui lui est hébergé pour l'instant sur, comme vous pouvez le voir, wikisource.org. Et les documents sont hébergés sur ce site multilingue. Donc ça, c'était pour les accès à Wikisource. On va passer à l'organisation en fait, des ouvrages dans Wikisource. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui se construit au fur et à mesure que la communauté prend le temps d'organiser en fait les différents documents. Il y a des fois, c'est plus ou moins bien rangé. Là, on va voir ensemble une catégorie qui concerne des documents sur les langues, sur la Wikisource anglophone. Donc c'est la catégorie tout simplement language. Et on va regarder 3 documents ensemble. Pour voir ouais, différents types de documents linguistiques qui peuvent être inclus dans Wikisource. On va prendre par exemple les travaux bilingues. Là, par exemple, on a un document de 1818, un manuel de conversation en bengali, donc bengali à gauche et anglais à droite. Et on peut voir que oui, le travail est fait depuis... le script originel qui a été le scan originel qui a été transcrit.
On va ensuite passer à un autre type de document. Évidemment, cette liste sera non exhaustive. On va prendre la Ligue Dictionnaire, par exemple. On va prendre au hasard le Dictionary of the Swatow Dialect. Donc, c'est un dictionnaire de 1883 qui décrit la langue Swatow. Donc, c'est une variante de Minnan ou de Tethu, donc au sud de la Chine. Et on a des pages qui contiennent la description de termes avec des exemples. Et c'est justement ça la partie un peu riche de ce type de document, c'est les exemples de phrases, forcément les prononciations. Et on peut vraiment avoir l'évolution, parce que là, c'est des documents plutôt anciens. C'est un peu le revers justement de la médaille. Enfin, justement, c'est la partie positive du fait que ce soit des documents anciens. C'est qu'on a vraiment des ressources un peu anciennes, avec une version ancienne de la langue. Ça pourrait être intéressant. Et enfin, on va regarder ensemble la catégorie qui concerne donc languages, tout simplement au pluriel. Il faudra bien faire attention à ce que vous entrez dans le titre des pages. Languages, et là, c'est tout simplement en fait trié par langue. Il y a vraiment de tout, hein, trié par langue. Et là, on va regarder ensemble les langues aleutiennes. Donc, on est sur Amérique du Nord. Donc, c'est un document, oui, 1896, là encore. Cette fois-ci, il n'y a pas de scan qui a été attaché, mais c'est une transcription d'un document existant publié, qui est dans le domaine public. Donc, avec forcément des normes de transcription qui peuvent être parfois un petit peu déroutantes ou différentes. Ensuite, on va passer à la suite de la présentation sur les concepts qui sont liés à Wikisource. Donc, il y a vraiment... comme on l'a pu voir, différents espaces de travail, comme je vais vous le montrer aussi. Donc, on parle généralement d'un fichier sur Commons, dont on liste les pages dans un index. On a un espace de travail qui est l'espace page, et enfin, on publie dans l'espace principal. Donc, pour vous montrer les différentes captures que j'ai faites, de login required, ça c'est OK. Non, je l'ai fait justement. Donc là, c'est l'interface où on peut tout simplement choisir un fichier et l'uploader sur la plateforme. Une fois que ce document est uploadé, on arrive à créer une page qui contient la liste de l'ensemble des pages de l'ouvrage à transcrire. Et ensuite, si on clique sur un de ces numéros, on arrive sur l'espace page. L'espace de travail principal, hein, c'est là où on effectue le travail de transcrire le document en respectant donc la mise en forme, les caractères et les conventions qu'on l'on a choisies. Et enfin, on arrive à une publication dans l'espace principal où il y a le même texte, mais du coup, dans sa version où toutes les pages ont été assemblées. Et si jamais il y a une mise à jour qui est faite parce qu'on a trouvé une coquille, cette mise à jour est retranscrite sur... retranscrit sur l'espace principal. Donc ça, c'était pour les étapes du travail sur un ouvrage. Là, on va s'intéresser plus particulièrement à l'étape qui concerne en fait l'espace de travail, hein, donc la transcription page par page. Il y a différents états des documents. Donc on part généralement d'un scan. Un scan sur lequel on peut passer une couche d'OCR, donc d'analyse de l'image pour retrouver le texte. Donc cette couche est généralement, elle fait ce qu'elle peut, hein, mais bon, il y a des fois, avec certains caractères, c'est pas forcément évident de retrouver ces éléments. Donc là, c'est là qu'intervient le travail humain, justement, de faire cette première relecture, de sauvegarder si jamais on a besoin en cours de route. Lorsque on a relu l'intégralité de la page, on peut l'indiquer comme relu. Et enfin, l'idée, c'est qu'une fois que c'est relu par deux personnes différentes, on peut arriver au stade validé, qui est un peu le stade terminé sur Wikisource. Donc, effectivement, donc c'est un travail en plusieurs étapes. Et en fait, il ne faut pas trop avoir peur, justement, il ne faut pas se laisser intimider par la quantité de travail que ça peut représenter. Il faut se rendre compte que oui, on fera tous forcément des erreurs. Et c'est un peu le truc, c'est d'apprendre en public à utiliser les modèles et si jamais il y a des erreurs, c'est pas très grave, on les corrige, quelqu'un d'autre les corrige. Faut pas hésiter à consulter les documents existants pour voir ce qui a pu être fait, les choix qui ont pu être faits sur différentes éditions, sur différents documents. Et enfin, ne pas hésiter à utiliser les pages de discussion pour échanger, demander de l'aide
justement d'écrire ce que vous avez fait, les conventions que vous avez choisies, et en discuter avec d'autres personnes. Donc là, j'ai fait une petite capture de justement ce document, cette espèce de nom index. Donc là, on est sur le Wiki anglophone, mais c'est le cas pour tous les autres projets. Il y a une page de discussion généralement par ouvrage, par document, et aussi généralement un lieu central de discussion où l'on peut retrouver les intervenants de tous les projets. Et je pense que là, on peut demander de l'aide et pas hésiter à consulter ses pairs. Donc là, on arrive à la la section atelier de cette session. Donc nous allons travailler sur le document qui s'appelle Manuel Breton français 1863 sur la Wikisource en français. Je vais commencer par faire une démonstration de relecture. Je vais utiliser une page de discussion pour décrire ce que j'ai fait. Et ensuite, ce sera à votre tour. En fait, on va vous proposer des pages vous pourrez vous lancer sans hésitation, j'espère. Et n'hésitez pas à poser des questions à ce moment-là. Donc, j'envoie le lien en même temps dans le chat. C'est parfait. Merci Nicolas. Donc là, on est sur ce document, 1863, sur l'espace livre en français. Donc, c'est la liste des pages. Si on choisit un des numéros au hasard, j'espère que je ne vais pas tomber sur un mauvais numéro. Donc, on arrive sur une page en deux colonnes avec du texte à gauche et du texte à droite. Pour l'instant, j'ai l'impression que l'OCR a fait le travail de tout mettre en une seule colonne, en commençant par la colonne de gauche puis la colonne de droite. Très bien. Donc, il y a un en-tête qu'on peut reprendre ou non. C'est pas obligatoire. Si on ne souhaite pas le mettre, ça n'est pas très grave. De toute façon, il y aura d'autres personnes. C'est vraiment cette idée d'avoir des couches de contributions qui vont arriver. Et en fait, c'est parti. Hein. Donc, si jamais on veut passer une couche supplémentaire d'OCR, il y a quelques accessoires parfois. Je ne sais pas si ces boutons-là OCR, ils apparaissent sans les scripts. Bonne question. Je vais me permettre d'intervenir. En plus, tu avais une question sur le chat. Quel OCR on utilise? Alors, Hélène a commencé à répondre et bien répondre. C'est qu'en fait, on n'a pas un OCR par défaut, on en a beaucoup. La plupart du temps, par défaut, on utilise un OCR libre qui s'appelle Tesseract. Mais vu la multiplication des langues, notamment les langues indiennes, on n'a pas eu le choix. On a utilisé Google OCR par moment. Certaines Wikisources n'utilisent que Google OCR, presque d'ailleurs, par défaut. Certains peuvent utiliser un OCR en amont de Wikisources, notamment Abby FineReader ou ce genre de logiciel pro qui ont parfois des meilleurs résultats. Donc, il y a une grande variété. Et effectivement, comme le dit Hélène dans le chat, c'est qu'il y a une refonte, une réorganisation, en tout cas au minimum, de ces OCR. Parce que là, comme on le voit dans l'interface d'Antoine, il y a deux boutons OCR côte à côte. Donc pour un débutant, pourquoi il y a deux fois la même chose? Mais ce n'est pas la même chose. Donc normalement, il y aura au moins un seul bouton, ça sera fusionné. Et peut-être des meilleures intégrations au sein de cet OCR. Parce qu'en plus, Tesseract, pareil, il y a beaucoup de possibilités dans l'outil qu'on n'utilise pas forcément bien. Donc, il y a une équipe à la Fondation qui travaille justement sur l'amélioration des océans. Et aussi sur des choses comme repérer une ou deux colonnes, repérer des textes multilingues, repérer une différence entre du français du 18e et du français du 20e, ce genre de choses. Donc, oui, c'est en cours d'amélioration l'OCR au passage. Merci. Donc, effectivement, l'OCR, quand parfois c'est du double page, il n'est pas exactement sûr de. En tout cas, il nous propose une solution. Là, il a décidé de coller le texte en breton suivi du texte en français. Bon, je ne suis pas sûr exactement de ce qui va être choisi à la fin. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit. Donc, je vais juste mettre le texte en breton puis le texte en français, sans trop me poser de questions. Je vais prendre le temps de relire quelques lignes. J'ai vu déjà corriger quelques petites choses que j'ai pu voir. Je l'entends, vous préférez. Ensuite, le texte, c'est la basse Bretagne. Il y a des fois, il y a des textes, enfin, il y a tous les types de formats. Là, c'est vraiment des ouvrages. Donc, là, il y a des textes en exposant. Je ne sais pas trop comment le faire. Je peux passer, je peux juste me contenter de relire ce que moi je sais faire. Et donc, je vais m'arrêter à la ligne suivante. On a juste trouvé cette notion de paragraphe en séparant avec des retours à la ligne. Mais justement, oui, c'est des choses qu'on apprend en fait en pratiquant, tout simplement.
Donc moi, je vais m'arrêter à son pays, chacun préfère son pays. Et lorsqu'on a fini en fait son travail, on peut tout simplement enregistrer. Là, on voit l'indicateur avec les différentes couleurs dont on parlait tout à l'heure, donc les différents états, page vide, première travail non terminé, problématique ou travail terminé, que je considère comme terminé. Pour l'instant, bon, j'ai juste commencé un bout de page, donc je vais me contenter de rouge. Et je vais publier la page. Donc pour l'instant, il y a ces premières lignes qui ont été transcrites. Bon, il y a plein de conventions sur les alinéas, etc. Mais lorsqu'on présente ça à de nouveaux contributeurs, il ne faut pas forcément trop se concentrer sur ce genre de points. Parce qu'au final, c'est des choses qui sont rattrapables assez facilement. Donc là, j'ai fait cette première étape de relecture sur un bout de la page. Et maintenant, je vais vous montrer comment on écrit dans une page de discussion. Donc, simplement ici, il y a une page de discussion. Moi, j'ai travaillé sur la page 81. Et je vais tout simplement décrire ce que j'ai fait. Pour que les personnes qui verront mon travail sauront pourquoi j'ai fait ce genre de choix. Donc, bonjour, j'ai travaillé sur la page 81. J'ai mis le texte de la seconde colonne à la suite du texte de la première colonne. Est-ce que c'est OK? Et on n'oublie pas de signer. Avec en insérant quatre tildes ou en cliquant sur ce bouton, j'imagine, ouais, c'est celui-là, pour les quatre tildes. Et lorsqu'on publie, en fait, c'est ça publie le message et c'est le système de discussion sur les projets open source. Donc alors, maintenant que je dis. Pardon, je ne sais pas si tout le monde ici a un compte, donc peut-être que les tildes ne seront pas suffisantes. Donc, ah oui, c'est vrai. Ouais, vas-y. Donc effectivement. On n'est pas obligé de créer de compte. Justement, on a pensé à l'atelier pour que ce soit sans création de compte, parce qu'on sait à quel point ça peut être compliqué de penser à un mot de passe, choisir un identifiant. On va le faire sans. Ça limitera un petit peu ce qu'on peut faire avec l'outil Wikisource, mais ce n'est pas très grave, c'est pour faire une démo. Donc, tout simplement pour signer, on peut aussi mettre tout simplement son nom. Et ça ira, je pense. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fait cette petite démonstration, on va vous donner chacun une page et c'est parti, n'hésitez pas. Donc, comment on va faire ça alors? Du coup, j'ai une question encore, je suis désolée. Oui. Donc, si sur la page originale, il y a deux colonnes mm-hmm. et que nous, on les met vraiment à la ligne, c'est vraiment OK ou est-ce qu'on essaie quand même de répéter les colonnes? En fait, il y a beaucoup de façons différentes de traiter les choses. On pourrait se dire que là, c'est du phrase à phrase, parce que j'ai l'impression que la phrase de la première colonne correspond à la phrase de la deuxième colonne. Donc, il y a on peut très bien, il y a des modèles pour le mettre sous la forme de deux colonnes en les mettant côte à côte. Parfois, c'est des blocs de texte entiers. Et dans ce cas-là, on met un bloc de texte, puis le bloc de texte. Il y a vraiment une granularité qui peut être différente suivant les documents. D'ailleurs, dans celui-ci, je crois qu'il y a les deux cas hein, qui sont présents. À la fois des pages entièrement, où c'est une page dans une langue et une autre page dans l'autre langue. Et là, dans notre cas, et ça dépend vraiment du contexte. Et j'estime, moi, qu'il ne faut pas que ce soit un frein à la contribution. Donc, tant que le texte est au moins présent, si c'est à quelqu'un de passer après pour mettre ça en deux colonnes, c'est pas très grave. OK. Donc, la base, c'est s'assurer que l'orthographe est la même sur les deux pages, enfin, ouais. qu'on a bien recopié la bonne orthographe, et séparer les lignes. Ouais. Ok. Exactement. Et voilà. Effectivement, là, on est sur un ouvrage très particulier où il n'y a pas deux pages qui ont un peu exactement le même format. Si on est sur la page 12, par exemple, on a vraiment très peu de mots et ce ne serait pas pertinent de la mettre. C'est vraiment à lire en vis-à-vis, quoi. C'est vraiment un lexique dictionnaire. C'est vraiment manuel pour apprendre le breton à la base. Qui ne vous apprendra pas le breton moderne du tout, d'ailleurs. C'est vraiment en plus une forme très dialectale, même actuelle du breton, peu importe. Par contre, du coup, on a 13 personnes, moins nous deux, on peut se prendre des pages aussi. Je ne sais pas comment on peut répartir. Moi, je pense que je vais prendre des pages espacées de 5 en 5 et je vais les envoyer en message aux différentes personnes. Voilà, c'est ce que je te propose.
Alors, c'est parti. Alors, la 25, elle est adjugée au premier nom dans la liste. Bah, ce sera Emma. Hein. ensuite, on a la 30. La 30, ce sera pour Nicolas. Ensuite, on a la 35. Ce sera pour Ambre. On a la 40. Ce sera pour Adélaïde. Tout le monde est mis à la tâche. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise correction. Il n'y a pas d'obligation de résultat non plus. Pas d'obligation de résultat non plus. Lorsque vous êtes lassé, vous pouvez n'hésitez pas à aller explorer les projets, hein, tout simplement. Parce qu'il y a des documents sur plein de langues surprenantes. Faut pas du tout hésiter à se lancer. C'était bien la 35, Ambre. Moi, je t'ai filé la 35. Et c'est normal que ce soit marqué 41 au-dessus. Alors, Hélène, je t'ai donné la 55. Et la page d'index, c'est vous l'avez créée à la main, là ? Oui. OK. On l'a initiée à la main, mais elle est fortement automatiquement créée, en fait. OK, ouais. D'accord. Toutes les petites cases au milieu, là, par exemple, elles sont automatiquement générées. Il détecte combien il y a de pages dans le bouquin et il nous fait les cases correspondantes. OK. Et il s'assure du suivi. On peut quand même le faire même sans compte. Oui. Ouais. OK. Ah, je te fais confiance là-dessus. Hein. Ignore. Oui, il y a des choses dont je ne me suis jamais posé la question sans compte. Et voilà, donc normalement tout le monde devrait avoir reçu une page. Si vous êtes chaud, lancez-vous, n'hésitez pas. Relisez, mettez des retours à la ligne. Alors moi, il faut que je fiche mon écran sur quelque chose, hein, donc c'est cette image-là. Donc c'est 4 points. Donc effectivement, pour qu'il y ait un vrai retour à la ligne, il faut prendre le temps de laisser un espace entre deux lignes. Si jamais il y a des notes par hasard et si vous vous sentez assez chaud pour les faire, il faut les mettre entre ces balises ref. Pour faire de l'italique, c'est 2 apostrophes droites et pour faire du gras, 3 apostrophes droites. Et enfin, si jamais vous n'avez pas un clavier qui permet d'entrer des accents, il y a une barre d'outils juste au-dessus, caractères spéciaux, latin, et vous pouvez choisir oui, accent aigu ou accent grave, ce genre de choses. Voilà. C'est parti. Je crois que j'ai pas de page. Ah, il manque des noms encore. Alors, si tu n'en as pas, de toute façon, il faudra pas s'inquiéter. Hein. Il y a plein de pages. Ok, j'en prends une au hasard. Attends, je t'en attribue une. Tiens, celle-là, la 85. Parce qu'évidemment, tu as toute la question du conflit de version qui est plutôt à éviter. C'est pour ça qu'on aime bien répartir les gens. Si ça avait été en présentiel, on aurait fait des petits stickers, on aurait distribué. Mais... Excuse-moi, Antoine, tu m'as attribué quelle page ? Ah, c'est le test pour voir si j'ai vraiment attribué. Je t'ai attribué la. Non, c'est pas un test, j'étais en train de faire autre chose. La combien ? La 55. 55, ok. Ouais. Merci. Je t'en prie. Donc pour le moment, on est d'accord, pour le moment on fait de la transcription, la ligne de breton, la ligne de. Ouais, pour l'instant. Mais ça fait l'OCR, quoi, en fait. Ouais. Oui. Ok. Ou pas, parce que l'OCR, il n'est pas forcément consistant, cohérent. Là, l'OCR, il n'est pas chaud. Oui. Hein, moi, j'ai tout le breton d'abord, puis tout le français ensuite. Ah, bah, ça ne va aussi, hein, de toute façon. Si c'est dans cet état-là. En fait, ça prend pas beaucoup de temps, hein, de reprendre ça à la main de toute façon. L'important, c'est que le contenu, et les lettres, et les caractères, et l'orthographe sont respectés. Le format. Ah bon, on est d'accord. Ouais. Non, puis comme je disais dans le chat, il faudrait qu'on réfléchisse vraiment au format qu'on va utiliser. Parce que c'est vrai que pour certains ouvrages où on a vraiment séparé d'un côté le breton et le français, ce qu'on fait, et ce que en tout cas moi je préfère, c'est faire. La transcription en français sur la Wikisource en français et la transcription en breton sur la Wikisource en breton.
Quand c'est des longs textes qui peuvent être lus indépendamment, il n'y a pas de problème. Mais là, certaines pages, il y a chien, chat, rat, oiseau, puis c'est juste des listes de ouais, mots. Non, c'est... Et ce n'est pas forcément pertinent, donc il faudra voir. C'est pour ça que, d'autant plus aujourd'hui, pour un atelier, pour ceux qui débuteraient. Oui, non, tout à fait. Non, mais après, on peut utiliser un système de colonnage, c'est clair. Hein, y a pas de... Je pense que c'est ce qu'on utilisera à terme. Je signalais l'existence, surtout qu'avec Sibanicium, on avait travaillé pour justement la transcription des recueils des historiens des Gaules, où on a des pages en français, où il y a à la fois du français et du latin, qui est disposé tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt en haut, tantôt en bas. Il fallait réussir à gérer la chose. Et on s'est bien amusé. Oui, j'imagine. Je t'ai mis en message privé le oui, lien, mais on pourra en rediscuter, voilà. Tout à fait. Parce que c'est... Dans le même bouquin, il y a des changements de disposition en fonction de... Et puis, il y a du latin et du grec aussi. Donc, youpi ouais. Effectivement. Plutôt à réserver aux initiés. Ouais. Ça va être versé par Gallica, mais bon, quand le volume est écrit moitié en latin, moitié en grec, il n'a pas sa place sur Wikisource.fr, clairement. Oui. Latin et grec, ouais. Voilà, donc si Anicium fait la transcription en latin sur Ella Wikisource. Pour le grec, je ne sais pas. Alors, par contre, du coup, Lucas nous pose une question de... J'ai l'impression qu'il y a des erreurs de ponctuation dans ma page. Alors, ça serait bien que tu nous donnes ta page, qu'on puisse le voir tous, éventuellement. Et c'est possible, hein, il arrive qu'il y ait des erreurs. Alors, en plus, il y a divers degrés d'erreurs. Il y a des erreurs claires et précises qu'il faut corriger. Parfois, des erreurs qui sont plus de l'orthographe d'époque. C'est toujours différent. Je ne sais pas si tu as parlé, tu as mis le modèle correction, Antoine, sur une diapo. Je ne sais du pas. Tout. Alors. Il vient d'où le scan? J'ai un OCR qui est nickel, moi. Je crois que c'est toi qui nous l'avais pointé au départ, en plus, Hélène. Moi si je... Oui, c'est possible. Yeah. Il vient Gallica et il me semble que tu l'avais pointé sur une page de discussion quelconque. D'accord. Ah oui, c'est moi qui l'ai installé, effectivement. Enfin, c'est moi qui ai créé la page. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai installé, qui ai créé le fichier, mais ça, c'est autre chose. Alors, du coup, la page 66, page 60. Il doit parler de ce genre de choses où il y a des phrases qui se finissent par une virgule au lieu d'un point. C'est ça, c'est la ligne, le cinquième paragraphe qui commence par Debret, MS, Podmad. Et en français, c'est j'ai mangé beaucoup, j'ai peur d'avoir trop mangé. La version bretonne se termine avec un point et la version française avec une virgule. Après, en dessous, c'est virgule, 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 virgule. Mais là, j'ai un. Voilà. Oui. Bah, effectivement, là, tu remplaces le point par une virgule. Et si tu regardes en dessous, tu as Untamiar Nebel Ketrein. Breton, ça finit par virgule et français finit par un point. Effectivement, bah, je pense qu'effectivement, par. Ouais, sauf qu'après, il y a beaucoup de points. Ça n'a pas l'air très cohérent d'ailleurs. Non. Enfin, si tu suis, tu as l'impression qu'il y a plus de points que de virgules. D'où mes questions. Ça, c'est le genre de truc à mettre en choix éditoriaux. Hein. Si on veut harmoniser. Alors, j'ai l'impression que je pourrais mettre des points à chaque fois, en fait. Mais. Ok, alors je ne suis pas du tout étonné de la qualité de l'OCR, c'est Cunégonde qui l'a fait. Ah d'accord. Après, ouais. Évidemment, il y a toujours la section, la forme. Si tu as un doute, tu peux toujours le laisser tel quel. Ouais. Et quelqu'un d'autre qui fera l'harmonisation s'occupera de mettre des points et des virgules. Ok, d'accord. Bah, je vais laisser comme ça alors. Personne ne te reprochera jamais d'avoir transcrit tel quel. Ouais. Ouais. Alors qu'on peut te reprocher d'avoir modifié. C'est ça. Non, puis en plus, je me demande s'il n'y a pas une logique, s'il n'y a pas des phrases qui s'enchaînent, et du coup, ils ont plutôt choisi les virgules. D'autres qui sont séparés, ils ont choisi le point, mais j'ai l'impression qu'ils se sont embrouillés eux-mêmes. Donc, On voit bien que c'est du français d'avant, parce que je ne puis plus manger. Oui, bah alors le breton, c'est du français, du breton d'avant à avant. Alors, moi, je m'aperçois qu'effectivement, j'ai des blancs parfois entre certaines phrases bretonnes qui viennent en fait du fait qu'en en français, la traduction est plus longue qu'une ligne. Ok. Oui. Donc, une ligne, on considère que c'est une ligne et puis on fera l'alignement après. Ok. C'est ça.
Je ne garantis pas que le texte soit vraiment une... Ça a beau être un manuel, et censément la même chose. Je suis en train de regarder, de découvrir qu'il y a des choses qui sont des traductions intéressantes, on va dire. On va mettre ça sur le dos du dialecte. On va dire que c'est très dialectal. Intéressante au sens de « puissiez-vous vivre une vie intéressante ?» Alors, j'aime je voudrais pas dire, mais transcrire du breton quand on n'a aucune connaissance de la langue, c'est pas idéal. Hein. Alors, déjà d'une part, comme je disais, c'est pas du tout du breton moderne. Donc, même pour moi, il y a un exercice intellectuel pour comprendre ce qui est écrit. Et ensuite, ceci dit, c'est pas naturel, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément compliqué pour, dans l'optique de sauver des langues en danger. On est capable de retranscrire, même sans comprendre, même avec difficulté. On serait incapable d'écrire des articles sur une Wikipédia en breton ou en quechua ou n'importe quoi. On n'est pas du tout sur le même niveau. Oui, la retranscription est même plus accessible. Néanmoins, il faut connaître le système d'écriture un minimum, je dirais. Oui. Parce que en breton, il n'y a pas un apostrophe qui a un caractère particulier. En breton moderne, parfois, ouais, on dit. Mais là, tu ne le rencontreras pas dans ce texte-là, par exemple. D'accord, oui, dans ce texte-là, oui. Ah ouais. Non, parce que ça, c'est du Vantais, si vous voulez tout savoir, donc du breton du Sud. Et ils n'utilisent pas la lettre C'H qui existe en breton moderne. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas en mesure de repérer une coquille. Ouais. Ça, effectivement, c'est... Ouais. Avoir une connaissance de la langue pour pouvoir commencer à détecter les... S'il y a une coquille ou une pétouille, on ne peut pas la... Ouais. Effectivement, du coup, pour atteindre le niveau de qualité maximum, là, il faut être locuteur. Mais pour la retranscription de base, il n'y a pas de besoin. Non. Voilà. Là, c'est vrai que c'est un cas que j'ai rencontré justement sur mon dictionnaire en Swanthau, où tu as parfois des problèmes sur les tons qui ont été mis, où... En fait, c'est pas le bon ton. En fait, ça se voit. Mais pour le savoir, faut parler la langue, en fait. Donc, ce genre d'erreur, tu peux pas le détecter si tu n'es pas locuteur de la langue. Une fois qu'on a transcrit tout le texte, on fait une page ou on commence ? On essaye de mettre en Alors, page. Si tu as fini, tu peux déjà publier la page. Je recommande toujours de sauvegarder à tout moment, hein, parce que c'est pas très grave si c'est pas terminé. Ça apparaît en rouge et donc quelqu'un le reprendra par la suite. Et ensuite, mon autre remarque, c'était que pour la mise en forme, ça peut devenir très, 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 très compliqué. Moi, dans le cadre de cet atelier, je pense qu'on va faire sans trop de mise en forme, parce que sinon, ça reprend des techniques habituelles de HTML et ce genre de choses, mais ça peut aller très vite. Ouais. Qu'est-ce qui te semble le plus approprié, du tableau ou de l'usage de modèle? Ici, je ne suis pas sûr, honnêtement. Je me demande si le tableau ne serait pas plus facile pour aligner les lignes. Mais... Mmh. Ouais, parce que là, typiquement, c'est le débat que j'ai habituellement avec d'autres contributeurs, la discussion, c'est le fait que les tableaux, c'est censé être réservé à des données tabulaires. Et là, typiquement, c'est des données qui sont tabulaires. Enfin, il y a une colonne pour le breton, une colonne pour le français. Chacune de ces lignes est censée matcher l'autre. Donc, pour moi, c'est une forme de données tabulaires. Certes, ce n'est pas des chiffres. Mais ça marche. Donc, c'est un moyen d'harmoniser tout l'ouvrage. Quand c'est des données tabulaires, tu veux dire ou... En fait, ouais, la question, c'est est-ce que on utilisera un template? Donc, un modèle, un petit bout de code spécifique pour décrire le fait que c'est en deux colonnes, ou est-ce qu'on se contentera en fait d'utiliser la syntaxe wiki pour faire du tableau? Ouais. Et les deux se valent un petit peu ici, honnêtement. Y a-t-il un modèle de titre qui a été choisi? Je ne saurais pas te dire. Je me contente de centrer pour le moment. Je pense que tu peux te contenter de centrer. Parce qu'effectivement, là, on parle des conventions de style. Généralement, il est de bon usage d'avertir tout le monde en fait des conventions qu'on a choisies. Ça évite que les autres personnes qui arrivent sur le même document se posent la question de quelle taille on choisit pour mettre en forme les titres.
etc. Donc on a tendance à le mettre aussi dans la page de discussion en disant… Ça doit se mettre en page de discussion dès qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Oui. Même quand on travaille tout seul, vaut mieux le mettre pour le cas où quelqu'un passe derrière. Ou même si toi-même, tu passes des années après, tu fais « Attends, mais c'est très bizarre, quel choix éditorial a été fait ?» Et là, tu te rends compte que c'est toi-même qui l'a fait. Donc, ouais. C'est ce genre de choses qui arrivent. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'on évolue avec le… Ouais, de toute façon, c'est vraiment ce côté… apprentissage en direct, hein. De toute façon, qu'on encourage dans les projets, c'est qu'on n'est pas né avec l'omniscience de tous les modèles sur ce Wikisource. Donc, on les apprend sur le tas et on affine peu à peu ces techniques de mise en forme. En partant, évidemment, sans mise en forme, ça me va très bien au départ. On commence bien quelque part, de toute façon. Et en plus, c'est un apprentissage qui se fait en public, hein, parce que là, tout ce qu'on fait, c'est publié sur Internet. Donc, parfois, on peut être gêné de faire des erreurs en public, mais là, il faut vraiment se dire que ça fait partie de l'exercice. Non, mais même quand on est expérimenté, il y a des choses qui relèvent de la décision et pas de comment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est une question de choix. Ouais. Et on peut même changer d'avis soi-même. Et du coup, absolument. On peut à l'expérience s'apercevoir que ce qu'on avait choisi ne fonctionne pas bien. On a eu le cas sur justement le dictionnaire de Swanthal, où au départ on avait juste un modèle qui faisait le travail de mettre en forme les entrées du dictionnaire. Qui ressemble à ça. Et en fait, depuis que quelqu'un a eu l'idée d'utiliser les fonctions de CSS un peu avancées, et du coup, en fait, il a dû reprendre toutes les pages pour remettre ses. Un peu via ce nouveau bouton style, c'est un peu le côté expert, pour remettre en forme, pour qu'on ait des entrées en fait, qui soient formatées de ce type-là. Alors qu'en fait, le document source, il ne ressemble pas du tout à ça, mais c'est le même contenu justement, qui est repris. Il y a un travail de mise en forme assez important qui a été fait sur celui-là. Bon, comme j'ai tout le breton suivi tout le français, je fais un saut, je fais un blanc entre les deux pour bien voir à quel endroit il faudra couper. Parce que là, donc, n'hésite pas s'il y a d'autres questions dans le public. Je vois que ça avance déjà. J'ai ma première ligne qui n'est pas alignée avec les autres lignes. Ça, effectivement, c'est une des... comment on va dire ça ? C'est un de ces artefacts de mise en forme. Faut pas trop s'en inquiéter. C'est une question encore ouverte, on va dire. Mais il me semblait qu'il y a un CSS de général de Wikisource qui a été modifié pour que justement ce problème n'apparaisse plus. On en a discuté le mois dernier, non ? Oui, je ne sais pas si c'était le mois dernier, mais je sais que vous en avez parlé à un moment. Et... Je n'ai pas suivi pour voir le résultat, justement. La personne qui avait mis au point le CSS n'est pas administrateur d'interface, donc ne pouvait pas faire la modification. Ça devait être fait par TPT, je crois. Mais... Ça a été fait, oui, mais c'est un problème récurrent et qui reviendra tout le temps, parce que ça n'a pas été prévu au départ dans l'interface, donc ça tient avec des bouts de ficelle et ça recasse régulièrement, malheureusement. Ah. Mais ceci dit, ça disparaît à la transclusion, donc c'est gênant visuellement quand on retranscrit en mode plage, enfin page par page. Mais ça n'apparaît plus quand on remet tout ensemble. Donc, c'est aussi moi, je sais que j'ai l'habitude de ne pas en tenir compte. Mais... Voilà. Donc, je vois la remarque de Hélène sur le Swatra. Donc, effectivement, c'est un travail de longue haleine. Il y a eu deux principaux contributeurs pendant une très longue période pour travailler sur autant de pages. Et justement, on va en discuter dans les 5 dernières minutes sur comment on fait pour encourager d'autres personnes à participer à ce genre de projet. Parce que du coup, on est plus, ça n'est pas le travail d'une seule personne. S'attaquer à un dictionnaire tout seul, c'est… Ambitieux. C'est un petit dictionnaire, soit c'est très ambitieux, soit c'est masochiste. Hein. Ou masochiste. Un peu détroit. Un peu détroit. Non, mais ça peut être un petit dictionnaire. Hein. Mais bon, le Trévoux, comment dire le Trévoux, il est hors catégorie.
Non, mais Steve Trevoux, c'était le seul. Vous êtes gentil avec le Trevoux, vous y connaissez pas assez des dictionnaires. Hein. Non, mais c'est le seul sur Wikisource. Non, mais il se trouve que le Trevoux, ouais, j'ai contribué très activement pendant des mois. Ah, moi aussi, hein, j'ai fait une bonne partie du tome 2. Hein. On a travaillé à 4 sur le tome 1 en continu. On a liquidé le tome 1 en l'espace de quelques mois. Mais après, on s'est mis à souffler parce qu'on commençait à fatiguer. Bah, on a mis plusieurs mois à même pas totalement finir le tome 1 et il y a une dizaine de tomes. Donc, Non, donc, sur le Trevoux, il y a 7 tomes. 7. T'as 7 tomes plus 7 un tomes. Supplément. Mais un des problèmes, c'est que Faye n'est plus là. Oui, oui. Et puis le Trevoux est quand même écrit assez petit. Néanmoins, moi, ça me fait doucement rire quand les wikisourciens disent que c'est un dictionnaire ardu. Le jour où vous taperez le grand vocabulaire François en 17 tomes, on rigolera moins. Non, mais ce qui est ardu, c'est le fait que l'OCR est crado, qu'il faut nettoyer derrière, etc. Aussi. Ouais, ça. Justement, le Trevoux étant un peu ce qu'a mis le coup d'arrêt à faire beaucoup de dictionnaires. Hein. Certains étaient très partants pour en faire d'autres, justement, et on se rend compte que, mine de rien, transcription, ça prend du temps. Oui. Et puis, du fait que Faye est parti, on n'a plus son bot pour transclure les articles. Aussi. Parce que, en fait, il avait mis au point un bot qui, une fois qu'on avait positionné les balises, se chargeait de la transclusion article par article de façon automatique. Il n'y a pas besoin d'aller s'y frotter. Alors que là, vu qu'il n'est plus là, ben, ça veut dire que la transclusion doit être faite article par article à la main. Ouais, et c'est... Disons que c'est dommage de gaspiller de... Il n'y a pas trop de valeur ajoutée dans cette tâche. Donc c'est pas... Il faudrait qu'on retrouve ces bouts de code et qu'on les réussisse. J'ai fait la transcription, mais la transclusion n'est pas faite, en fait. Faudrait trouver quelqu'un qui pourrait nous... pourrait reprendre le code de fait et puis le faire. Parce que c'est du Python et je crois que son code est disponible. Hein. Il l'a mis dans une de ses sous-pages, mais... Du coup, pour les autres personnes qui découvrent complètement Wikisource aujourd'hui, est-ce qu'il y avait eu des questions, des problèmes, des choses qui questionnent, ne serait-ce ? N'hésitez pas, c'est le moment de poser justement toutes les questions possibles et imaginables. Est-ce que vous avez envie de vous créer un compte ? Éventuellement, on peut faire une démonstration pour ceux qui n'en auraient pas. Vous pouvez essayer sur d'autres ouvrages aussi. On vous a proposé celui-là parce que c'était l'occasion. C'est un peu vache pour un démarrage. Hein. Il fallait que ce soit un document linguistique avec un alphabet pas trop compliqué et sans trop de caractères spéciaux. Donc je me suis dit, bon attends, peut-être. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Parce qu'à côté, il y avait Bengali ou Telugu. Donc... Oui, c'était clairement impossible. On a essayé de prendre quelque chose. Il y avait aussi des trucs en syriaque, mais bon, on est d'accord. Oui, non, on est resté sur un alphabet latin simple quand même. Oui, non, mais tu as raison. Hein. Et puis, il faut un document suffisamment long pour que s'il y avait, on ne savait pas exactement le nombre de personnes à l'atelier, donc qui est suffisamment de pages au cas où. Oui, on avait prévu 150. Pas trop court, pas trop long, pas trop chaud, pas trop tiède. On a essayé de faire... Alors, on parlait de pétouille tout à l'heure. Chiant de la page 58. Et la deuxième ligne, je ne sais pas si... La deuxième ligne en breton ou en français ? La première phrase, la deuxième ligne en breton, le dernier mot avant le point d'interrogation, la dernière lettre, c'est un A ou un N ? C'est un A. C'est Virenia. Non, c'est un N, forcément, c'est un verbe. C'est un N. N. Okay. Donc c'est là qu'effectivement, connaître la langue Med. Oui. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que ce verbe dîner, pour que... parce que moi j'aurais dit, je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais alors, en plus il y a une mutation.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un verbe, il y a de fortes chances, que, très fortes chances que ce soit un N. Alors que okay. Ma première réponse, visuellement, c'était A. Mais en fait, non, ça ne peut pas être oui, A. Mais je pense que c'est en fait une pétouille sur, le, sur la lettre. Oui, effectivement. Un défaut d'impression, pour ceux qui ne connaissent pas le sens de pétouille. C'est ça. Ah bah, on a vocabulaire. Parce que la troisième phrase, il est réécrit et là, il n'y a pas de problème. Ah, ouais. Petra, Unes, Nidev, c'est le même, de nouveau le même mot, donc effectivement. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon. Virenein. Virenein. Ouais. J'aurais tendance à le prononcer à l'allemande, ce qui n'est évidemment pas correct, surtout que mon allemand est dégueu. Enfin, il est inexistant. Alors, ma prononciation est absolument horrible aussi, surtout pour cette variante que je ne connais pas, mais ce serait plutôt quelque chose d'un Petra Hun Nes Ni De Verenein. Un truc comme ça. Alors qu'en breton moderne, ce serait plutôt Petra Hun Nes. Pourquoi il y a Hun Nes ? Le D, ça serait un Da maintenant. Et Verenein, le mot a dû tomber plus ou moins en désuétude ou doit être lexical du sud. Donc, oh, Paris. Donc non. Dis Paris. C'est vrai, c'est marrant. Alors que pareil, maintenant Paris, Paris. En fait, le S devait se prononcer déjà, et mais laisser S. Alors que maintenant, en breton moderne, Paris, on le met avec un Z aussi, pour clairement indiquer que ça se prononce Z. Enfin, ça se. Ah, d'accord. Ça s'écrit Paris. Ouais, mais ça se prononce Paris. Enfin, Z de léger, mais présent. Pas juste I. Alors, du coup, il y a une question de Ambre dans le chat. Qui ouais. est. Elle a fini sa page et elle l'a publiée. Maintenant, doit-elle mettre un mot dans la page de discussion, même si toi, tu as été très pété pour dire ce que j'ai fait dessus, c'est ça bah, c'est pas obligatoire. Moi, je l'ai fait titre démonstratif. Et évidemment, je vous invite à écrire quelque chose dans la page de description justement de l'œuvre pour vous familiariser avec l'outil de discussion qui sera sans doute utile. C'est plus pour la démonstration. Oui. On peut aussi mettre un mot dans le résumé, hein, l'édition. C'est aussi, oui, possible. Au passage, félicitations Ambre pour cette page qui n'était pas forcément la plus facile. Et qui est typiquement, effectivement, ça c'est le genre de page qui ne serait pas pertinente à lire que le côté français ou que le côté breton, parce que c'est vraiment juste une liste de phrases d'exemple. Enfin, c'est vraiment une liste qui n'a pas de pertinence isolée. Quoi. Je ne sais pas si... Est-ce que tu fais parfois du créole, Ambre ? Ah, elle n'est pas en micro. Pas du tout, dommage. Activé, mais... Non, mais elle a répondu qu'elle... dans le chat. Non, mais du créole, je ne sais pas. Pas du français ancien, du français classique. Nicolas, d'ailleurs, simple curiosité, tu apprends comment, enfin, tu apprends où le breton ? Alors, je ne l'apprends plus, donc déjà, je suis un peu plutôt en processus de le perdre, mon breton, malheureusement. Je n'ai pas forcément beaucoup l'occasion de le pratiquer. Je suis à Rennes, qui est plutôt une ville galaisante à l'origine. C'est mm-hmm. chose. Donc déjà, voilà. Et en fait, je l'ai appris il y a 10 ans. J'ai eu l'occasion, la chance de faire une formation longue, 35 heures par semaine, pendant 6 mois, à apprendre le breton. Donc, à la sortie de cette formation, j'avais plutôt un très bon breton. Niveau suffisamment pour être minimum, on va dire presque professionnel, avec une des associations d'apprentissage du breton pour les adultes. Il y a une fédération et il y a une ou deux associations par département sur les 5 départements de la région Bretagne, enfin de la Bretagne historique. En l'occurrence, c'était Skoldenemzao qui est à Rennes. Okay. Et j'avais fait quelques cours du soir avant, mais voilà.
Et malheureusement, j'avais juste une arrière-grand-mère que je n'ai jamais vraiment connue, qui parlait breton, donc il n'y a pas eu de transmission familiale du tout sur ce côté-là. Gros regret et grosse perte, déception, malheureusement. Et tu as quand même l'occasion de... Tu connais des gens qui le parlent? Tu as l'occasion de dire quelques mots si tu as oublié, mais avant, est-ce que tu avais l'occasion de parler? Un peu, mais en fait, là où je l'utilise le plus actuellement, c'est sur les wikis ou sur Twitter, les réseaux sociaux, en fait, par écrit. À l'écrit, ouais. D'un point de vue de pratique orale et catastrophique. Ah, une bonne question dans le chat. Il y a plus sympa que de mettre des breux partout pour les retours à la ligne. Alors, en fait, il ne faut pas mettre de breux. Il faut faire... tu peux peut-être montrer à l'écran, Antoine, passer des lignes. Il faut faire tout simplement deux retours à la ligne, comme ici. Voilà. Deux retours à la ligne dans le code correspond à un retour à la ligne dans le... Correspond à une ligne blanche entre deux, ouais. C'est ça. Oui. Non, c'était juste une question, Nicolas. Est-ce que tu as déjà vu les bars, le poisson, écrit B-A-R-E-S, des bars? Oui, en français, oui. Oui, en français, oui. Oui, bah, un bar, des bars. Je ne connais que B-A-R, c'est pour ça que je me posais la question. Ah, mais c'est de au pluriel? Oui, c'est au pluriel. Bah, B-A-R, attends, j'ai pas... C'est quelle page? Pourquoi je suis perdu? Page 58, attends, je la sauvegarde. C'est comme ça. B-A-R-E. C'est ça, hein, oui, Hélène. Donc, ça veut dire que le singulier est écrit B-A-R-E. Oui, effectivement, c'est bizarre. Je vais regarder dans mon dico historique de l'orthographe. Oui. Auparavant, nous avions des macros, des homards, des barres, des sols. Et oui, j'avais jamais... Je n'avais pas compris. C'est étrange. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Okay. Ouais, ça peut aussi être une faute, hein, mais bon. Pas sûr. Par contre, en breton, c'est mulet. Donc, ça, tiens, c'est marrant, ils n'ont pas changé le mot. C'est toujours meili qu'on utilise en breton moderne, qui veut dire littéralement mulet, en fait. Alors qu'en français, je crois qu'il y a un poisson qui s'appelle le mulet aussi, mais qui n'est pas le bar. Ah ouais, il me semblait que c'était la même chose. Il n'a rien à voir avec le bar. Joie et bonheur des noms, et notamment des noms comme ça, vernaculaires. Non, on va arriver dans... Il n'est pas au X. Non, mais dans le X, on n'aura pas forcément toutes les variations. Non, mais je regarde toujours parce que ça permet d'ajouter des mots. Nous arrivons aux 10 dernières minutes de cet atelier. Si jamais vous voulez découvrir un petit peu quels sont les types de ressources qu'il y a dans ces différentes langues, je pense qu'on pourrait toujours jeter un œil à la catégorie Languages, pluriel, sur le Wikisource anglophone. Il y a vraiment, vraiment de tout comme document. Évidemment, il y a toujours de la place pour plus. Hein. Il y a notamment, je sais qu'il y a une chose un peu rare qui est le dictionnaire Ainu anglais-japonais, qui est un des... Apparemment, je crois qu'il fait un peu référence hein, dans le milieu du Ainu. Et c'est un document plutôt difficile. C'est encore un de ces documents un peu difficile. Mais justement, c'est précieux. Comme ouvrage. Il y a vraiment de tout. Ambre vient de m'écrire qu'elle serait intéressée de faire le dictionnaire en Ainu. Donc, c'est parti. En tout cas, n'hésite pas, si jamais tu as besoin d'aide. C'est rempli de modèles, hein, celui-là. C'est plutôt japonais. C'est un peu ardu, mais c'est formateur. Donc, Ouais, là, c'est déformateur à ce stade-là. Là, c'est assez haut. Hein, ça peut aider, parce qu'effectivement, il y a le texte en japonais à côté du nom Ainu. Modèle, ça pose pas de problème à la transclusion? Non, je crois. Normalement, non.
J'ai pris le temps de. C'est moi qui fais le match and split. Du coup, non, ici, non. J'ai le temps de vérifier. Ouais, tout dépend si on transclut par gros paquet ou par petit paquet. Hein. Ouais, aussi. Ouais. Quand tu transclus article par article, il n'y a pas de problème avec les modèles. Mais... Mais en fait, du coup, je me demande, ce dictionnaire qui est trilingue, ce dictionnaire, voilà. Comment est-ce qu'on choisit de le mettre sur la Wikisource en français ou en anglais ou en Ainu? Enfin, je ne sais pas s'il y a un projet en Ainu déjà ou... Non, déjà, il n'y a pas de projet en Ainu. En fait, là, je pense que le choix s'est fait par la quantité de texte, notamment pour un dictionnaire, en fait, c'est dans quelle langue sont les explications. Donc là, on voit bien que les explications ont l'air d'être majoritairement en anglais. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose régulièrement. On a des dictionnaires. Bah, typiquement, là, celui qu'on nous a fait de manuel, là, il y a strictement la même quantité de breton et de français. Ouais. C'est un peu par impérialisme et par habitude finalement linguistique que j'ai choisi le français. On aurait pu prendre le breton presque. Mmh. On aurait pu tripler la communauté en breton en un jour. Bah, c'est exactement ce que je pensais. En fait, en Ainu, par exemple, il y a une catégorie sur Wikisource, enfin sur le multilingue. Donc ça permettrait de de nourrir un peu. Et même pour les personnes qui s'intéressent à l'Ainu et qui vont sur la page de l'Ainu, du coup, ils pensent qu'il n'y a pas de contributrice. Donc, ouais, il n'y aurait pas moyen de mettre un lien ou enfin signaler, peut-être juste dans la page de discussion, sur la page de discussion de l'Ainu multilingue et dire bah, y a toutes ces ressources dans les autres, je ne sais pas. Oui, il faut faire de. Mais du coup, c'est à la main à faire, à signaler. Et en plus, là, c'est un très bon exemple, la catégorie Ainu que tu as pris sur la Wikisource multilingue, parce qu'en fait, il y a une bonne trentaine de langues qui ont en fait que ces deux textes. Parce que c'est deux bibles qui existent, en fait, il y a un paragraphe dans chaque langue. C'est plus les missionnaires qui montrent comment ils sont doués en linguistique qu'un vrai texte, quoi. Ouais, c'est assez dommage. Et le Gospel in Many Tongues et le Lord Prayers in 500 Languages, il y a le nombre de catégories où je tombe, il n'y a que ces deux textes. Et à chaque fois, je fais bon, voilà. En fait, ça veut dire qu'il n'y a rien, quoi, globalement, malheureusement. Et quand il n'y a même pas ces deux textes, là, ça veut dire que c'est vraiment... Là, on a vraiment moins que rien. J'ai au bureau un dictionnaire français siamois. Wow. Du 19e siècle, je crois. Peut-être fin 18e. Si j'arrive à le numériser, je ne sais pas à qui il faudrait le... Ce qui est sûr, c'est qu'on peut commencer par la Wikisource multilingue est là. Pour faire l'incubation et les propositions, il y a un bistrot qui est relativement actif pour un projet d'incubation, je trouve. Il est clair que je n'essaierai pas de le transcrire, mais je peux le proposer sur le bistrot de la Wikisource multilingue. Ouais. Le proposer à ceux qui seraient intéressés. Je vais vous dire exactement ce que c'est là. Bah, Amy, tu peux nous l'envoyer sur Discord à moi et Antoine après. Ouais, je n'ai pas la référence là, mais il faut que je la regarde au bureau. On l'a sorti du catalogue parce que dictionnaire français siamois, il n'a rien à faire aux archives des Yvelines. Du coup, j'en profite peut-être un petit peu pour un dernier point. On arrive dans les 5 dernières minutes. Donc, un petit peu un hors sujet. Du coup, sur chaque page utilisateur d'une personne qui a un compte, il y a une page de discussion qui fonctionne de la même façon que les autres pages de discussion. Donc, il est toujours possible de laisser un message dessus en éditant, en écrivant son petit message et en publiant. C'est assez commun pour envoyer des messages. Oui, en fait, toute page d'un wiki a une page de discussion. Oui. Et comme nous sommes des pages de wiki, nous avons aussi une discussion. Tu peux nous parler de comment tu trouves une communauté? Tu as dit que tu mentionnerais ça. Oui, parce qu'on arrive effectivement dans les 5 dernières minutes. Et je l'ai timé, non, ça dure 2 minutes 5, mais... effectivement, on arrive à la dernière section. Donc, n'hésitez pas à publier même un travail partiellement terminé, c'est aussi bien, parce que sinon, c'est toutes les petites tâches qui s'ajoutent pour arriver à la fin, à un résultat terminé. Donc, en fait, la question, effectivement, c'est que faisons-nous maintenant que nous avons eu ce premier avant-goût de Wikisource et de comment contribuer à Wikisource? Alors, comment on fait pour partager ça avec d'autres personnes? Tout simplement,
En fait, ça, c'est les différentes étapes. Donc, là, c'est vraiment une vue très macroscopique hein, de ces étapes. Donc, principalement, 5 étapes. Première étape, c'est tout simplement identifier des ressources écrites, hein, parce que là, Wikisource, c'est les documents publiés, en tout cas, et imprimés. Identifier et retrouver les scans ions, du coup, qui sont avec le bon copyright. Hein. En l'occurrence, il faut que ce soit des... Bah, quand c'est dans le domaine public, c'est simple. Mais il y a aussi d'autres conditions un peu plus compliquées, mais moi, c'est pas ma spécialité. Donc, ça, c'est un peu hors scope pour moi. Ensuite, préparer donc, l'atelier en lui-même. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur créer cette page d'index avec les différents numéros de page. Il y a des outils pour ça. C'est pas trop compliqué, mais il faut le préparer à l'avance. Le point qu'a mentionné Lyoko, qui est effectivement facultatif, mais c'est souvent bien en fait, s'appuyer sur une communauté existante. Hein. De toute façon, c'est assez difficile de amener des personnes sur un projet et de les organiser ad hoc. Il vaut mieux s'appuyer sur une communauté existante et il y en a plein. Et enfin, tout simplement un peu le côté, comment on appelle ça déjà ? Tout simplement faire cette présentation où on montre en fait les outils et on organise un atelier en lui-même. Alors, la question de Lyoko concernant comment trouver des groupes d'intérêt. Moi, je pense que c'est vrai. Enfin, il faut vraiment être ouvert. Là, je ne sais pas toi, Nicolas. On a pu en discuter avec Florian, Pierre Aubrise. Explorer partout. Hein. Le groupe pour le soin intra, donc le Minnan, une variante du Minnan, c'est via une association américaine qui est à San Francisco qui travaille sur cette langue et qui bosse dessus. Enfin, je les ai amenés à bosser dessus. Quand tu cherches la langue sur Internet, il y a forcément des associations de locuteurs. J'avais contacté une association malaisienne un groupe qui promouvait le fait de créer des documents dans cette langue. Il y a aussi évidemment les contacts académiques que tu peux avoir. Il y a notamment une des transcriptions qui a été publiée sur Wikisource. C'est le travail d'une université qui avait ces données et qui s'est dit je les mets en CC0 et puis réutilisez-les. Donc il y a vraiment plein de points de contact. Je laisse ajouter Nicolas. Tout à fait. Alors effectivement, les associations, institutions existantes sont un très bon point de départ. Et ça peut être un point de départ pour plusieurs choses. En plus, ils peuvent juste, par exemple, fournir les ressources au départ, s'ils ont des documents. Ils peuvent fournir une communauté, ils peuvent fournir un lieu pour l'atelier physique. Enfin, il y a beaucoup de façons différentes de s'impliquer. Ils n'ont pas forcément à tout faire non plus. Et sinon, l'expérience des groupes indiens, c'est que les contacts sur les réseaux sociaux marchent finalement bien, voire très bien, y compris Facebook ou Snapchat, peu importe. Parfois, il suffit juste de trouver la bonne approche, le bon texte. Il y a pas mal de préparation de sélection à faire en amont aussi, qui est important. Et puis après, le mieux, c'est de tenter. Et puis, Wikisource, c'est quand même quelque chose par le côté micro-tâche, le côté finalement, on fait pas trop de réflexion, on fait de la transcription, c'est presque une activité zen, quelque part. Ça peut assez facilement plaire, il ne faut pas le forcer, il faut que ça vienne naturellement, mais ça peut plaire. Il y a de l'appétence pour, en tout cas. C'est relativement facile d'inciter des gens qui sont intéressés par un texte à venir le mettre en ligne, en fait. C'est ça. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs pour ceux qui auraient d'autres questions. Il faut peut-être mettre nos liens vers nos pages de discussion. Antoine, je vais mettre les nôtres. Ça marche. Dans le chat. Moi, j'ai donné mon contact hier pendant la session Lexem aussi, je crois. C'est du mien ? Il y a combien de S dans ce nom ? Je l'ai mis le mien, du coup. Parfait. 5. C'est ça. Azaz, en fait. Je ne sais pas pourquoi je prononce Azaz. J'essaye de mettre un Z dans le truc. Bon, bref, peu importe. Sur Wikisource.fr, il y a toujours le forum des nouveaux. Hein. Aussi. C'est facile de prendre un contact. Mais qui n'existe que pour le français, du coup, malheureusement. Mais qui n'existe que sur le Wikisource.fr, oui. Ouais, l'idée n'a pas encore été reprise par d'autres.
même si les wikisources sont relativement proches les unes des autres dans le fonctionnement, peut-être plus proches que les Wikipédia les unes des autres d'ailleurs, par ailleurs. Mais effectivement, il y a le forum des nouveaux, voilà, si tu peux mettre le lien dans le chat. Voilà, on va tenir de côté les germanophones qui effectivement ne sont pas tout à fait… Oui. No comment. Voilà, no comment. Mais sinon, les wikisources fonctionnent plutôt bien ensemble. Ouais. Voilà. Du coup, ça sera enregistré. Enfin, ça a été enregistré, hein, Emma, c'est ça? Ouais, ça a été enregistré. Ça sera disponible, j'imagine. Ouais, on va le publier sur le, sur le programme où on verra comment on fait ça. Mais on va le publier. et donc, je pense que c'était fini. On peut retourner au Zoom principal pour la séance de clôture. Parfait. Ouais. Donc, je vous envoie les liens dans le chat. Ça devrait être celui-là. 03. Ben voilà. Oui, c'est ça. C'est ça qui est sur le programme en tout cas. Ok. Bon, alors à tout de suite. Et merci. Ça marche, on se retrouve sur le pour l'atelier. Au revoir.